Il est pas trop mignon ce baume à lèvres. Franchement. C'est une petite glace à la crème violette. En plus, il a un trop bon goût, un goût de bonbon. Bref, hello everybody, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que je suis ravie de faire pour vous. Voilà, c'est une vidéo make-up, une vidéo top 3. Top 3 de fond de teint et top 3 de concealer, d'anti-cerne. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche si vous êtes notifié pour chaque vidéo que je sors. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On a grandi la famille des bananas. Donc voilà, je vais commencer par le fond de teint le moins couvrant et je finirai par le plus couvrant. Et pareil pour les anti-cernes. Enfin bon, on peut commencer la vidéo. Let's go. Alors je vais commencer par le fond de teint que je préfère mais qui est le moins couvrant, je pense. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Le Perfect Match. C'est le fond de teint que je mets quand je veux avoir... C'est limite mon préféré de tous. Même s'il n'est pas très couvrant, c'est mon préféré. Parce que moi, j'ai pas besoin de couvrance parce que j'ai pas trop d'acné, j'ai pas trop de boutons, j'ai pas du tout d'acné de même. Heureusement parce que j'ai 29 ans. D'ailleurs, j'ai 29 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Souhaitez-le moi dans les commentaires, mettez pouce bleu en l'air. Enfin bref. Donc, le Accord Parfait, il dissimule pas trop l'acné, les boutons et tout. Mais il fait tellement un beau teint, tellement une belle peau. Il fait une trop belle peau. Et je l'ai en teinte 5R, 5C, sable rose. Il apporte la lumière au visage. Il est super bien ce fond de teint. C'est celui que je préfère quand j'ai envie d'avoir la plus belle peau que je désire. Quand j'ai envie d'avoir la plus belle peau que je puisse avoir, je me dirige vers ce fond de teint. Ce parfum, j'allais dire n'importe quoi, je suis fatiguée, je suis désolée. Donc je me dirige vers ce fond de teint quand je veux avoir la plus belle peau possible. Il est super bien. Voilà, en deuxième position pour le fond de teint que je préfère, j'ai pris le MAC Matchmaster, le fond de teint de chez MAC. Il y a du crayon noir collé sur mon MAC. J'aurais pu prévoir ça à l'avance, c'est le genre de choses que je prévois pas moi. Donc c'est le MAC Matchmaster. Je l'ai en teinte NC35. Il est assez couvrant. Il fait une jolie peau. Il dissimule bien les imperfections. Il est pas mal couvrant celui-là. C'est vrai qu'il est bien couvrant. Mais franchement, je préfère celui-là, le rendu de celui-là, que celui-là. Mais c'est vrai que celui-là aussi, il fait une très belle peau. C'était dur de choisir. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à trouver mon top 3 anti-cerne et fond de teint. Donc voilà, le MAC Matchmaster, je l'ai mis en deuxième position, il est super beau, il a un joli fini, il fait une très, très belle peau, il fait un très joli rendu sur le visage, mais c'est pas ni le plus couvrant, ni mon préféré, mais l'un de mes préférés, ça c'est sûr. Et enfin, pour la première place du top 3 de mes fonds de teint préférés, pour le plus couvrant que de mes fonds de teint préférés, en fait c'est le plus couvrant de mes fonds de teint préférés, c'est le Lockheed Foundation de Kat Von D. Il est super couvrant, il fait une peau flawless, il fait sans une imperfection, sans un point noir, sans un bouton rouge, rien du tout qui transparaît. Vraiment, il fait une belle peau. Le Lockheed de chez Kat Von D. Quel teint j'ai? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai le médium 58. 58 médium. Voilà, ben c'est le fond de teint que j'ai le plus couvrant et le plus... peut-être que le Super Stay il est plus couvrant, non. Je pense que c'est le fond de teint que j'ai le plus couvrant et qui rend le mieux sur le visage. Parce que le Super Stay de Maybelline, il est bien couvrant, mais quand on le met, ça fait pas un joli rendu. Alors que ça, ça fait une peau très beau, très belle. Et en plus de ça, ça fait un joli teint, une jolie mine, une bonne mine. Donc voilà, c'était pour mes fonds de teint, on peut passer aux anti-cernes. Alors, pour mon anti-cerne préféré, mais le moins couvrant, de mes anti-cernes préférés, c'est le Super Stay 24 heures de Maybelline. En parlant du loup, on en voit la queue. Donc voilà, d'ailleurs, c'était le fond de teint, bah c'est la queue du fond de teint. C'est l'anti-cerne. Je dis n'importe quoi, foulala, je vais loin. Vous m'avez suivi au moins, parce que je me le demande. Parce que moi-même, j'ai du mal à me suivre. Enfin bon. Donc le Super Stay 24 heures de Maybelline, il illumine bien les cernes, il dissimule bien, il est bien dans le courant. Mais c'est le moins couvrant que j'ai. Il pourrait être mieux couvrant. Il pourrait être plus couvrant, mais plus couvrant, ça serait une dinguerie ce anti-cerne. Ce serait un scandale. Ah, vous l'avez vu cette pub
d'un parfum Jean-Paul Gaultier. Une femme qui arrive dans une soirée super classe, huppée, avec une veste tailleur, et puis sans soutif et sans pantalon, et qui marche comme ça, et tout le monde dit « Ah, c'est un scandale !»« Ah, mais qu'est-ce que c'est sur son chemin ?» Elle est trop bien faite cette pub, avec un grand œil derrière le décor. J'adore cette pub, j'ai trop bien aimé, franchement ils sont doués chez Jean-Paul Gaultier, pour avoir l'inspiration de trouver des pubs pareilles. Elle me met des étoiles dans les yeux, cette pub. Elle est bien faite. Si vous voyez pas ce que je veux dire, laissez tomber, n'essayez même pas de comprendre. Mais si vous voyez, vous êtes fort. Vous êtes fort d'arriver à comprendre ce qu'il y a dans cette tête. Enfin bon, parce que je vais loin dans mes idées. Donc le Super Stay de Maybelline, c'est un anti-cerne préféré. Il est super beau. Il fait bien son job. Après, en deuxième position... pour le anti-cerne, le plus couvrant et mon préféré, mais moins couvrant que le premier que je laisse pour après, c'est le Shape Tape de Tarte. Je l'ai mis en deuxième position. C'est vrai qu'il est bien couvrant, c'est vrai qu'il fait bien son job, c'est vrai que c'est un basique. On va dire, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut mettre comme concealer, on se dirige vers ce correcteur, cet anti-cerne. Il file pas dans les ridules, il est pas mal. J'aurais peut-être dû prendre... Je vous ai pas dit la teinte que j'avais. Le 24h Super Stay. Il n'y a pas de teinte. Si. C'est écrit en tout petit. Beige clair numéro 2. C'est vrai que j'aurais dû le prendre, le Shape Tape, en une teinte plus claire. Parce qu'elle illumine pas, mais il efface même mes cernes. Je l'ai pris là en teinte 36S Med Tan. Sand, Matte Tan Sand, 36S, voilà, vous le connaissez tous le Shape Tape de chez Tarte maintenant, et c'est plus la peine de le présenter, mais voilà, c'était le numéro 2 de mes anti-cernes préférés. Et donc, qui a le lot, qui a la grande victoire de mon anti-cerne préféré le plus couvrant? Le Boeing de chez Benefit. Il est super bien cet anti-cerne, il est super bien, je le kiffe, quand il n'en aura plus, j'en rachèterai, c'est sûr, j'espère que je pourrai, et qu'il sera toujours en vente et tout, que j'aurai les sous et tout. Mais le Cakeless Concealer, il est trop bien, il file pas dans les rides, il couvre bien, il est super couvrant, il est plus couvrant que le Shape Tape, il est beaucoup plus couvrant. Mais moi, c'est mon rêve, c'est d'avoir l'anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, le Touche Éclat, je sais pas quoi. Il faut que je me l'achète, je vais essayer de me l'acheter dans pas longtemps, ou je sais pas quand, mais j'essaierai de me le procurer, parce que j'ai testé à Sephora, quelqu'un de chez Sephora qui travaille là-bas m'a fait les cernes avec cet anti-cerne, mais waouh, j'avais un dessous de l'œil, mais flawless, mais quand je vous dis flawless, c'est flawless, mais là je l'ai pas sur moi, donc j'ai choisi le Boeing de Benefit. Il fait bien, franchement il fait un beau contour des yeux, cet anti-cerne. Il est connu pour pas filer dans les rides, pour pas faire de taches, d'aspect cakey. Le Cakeless de Benefit. Donc voilà, j'aime bien le packaging aussi, une mine de crayon. Ça me rappelle encore quand ma chaîne elle s'appelait Yasmine de rien. Oh, que de nostalgie. Enfin bon, voilà, on a fini avec le top 3 de mes anti-cernes et le top 3 de mes fonds de teint. Voilà, on a fini la vidéo tout simplement. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça fera super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Oh, je suis loin de la caméra là.